C'est les dérives derrière ou le moteur qui pivote sur son axe? L'inclinaison du moteur. Et ah, c'est l'inclinaison qui fait qu'il se maintient en altitude. Ah non, qu'il se maintient en altitude? Non, non, c'est le fait qu'il soit gonflé à l'hélium. Oui, mais l'hélium, oui, mais ça le maintient en altitude fixe. Non, il est plus lourd que l'air. Enfin, il est là tel qu'il est. Il descend, si on lâche légèrement et qu'on arrête tout, il va descendre. Ah voilà, il faut qu'il avance pour qu'il tienne. Voilà. Voilà. Donc il est légèrement porté par l'air. Soit qu'il avance, soit la... que les moteurs le tirent. Il y a aussi l'inclinaison des moteurs.